Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre travail sur les angles droits. La fois précédente, nous nous sommes entraînés à les reconnaître grâce à l'équerre ou à la feuille de papier. Aujourd'hui, nous allons voir comment les tracer. Mais au fait, te souviens-tu de ce qu'est un angle droit? Un angle droit, on va pouvoir le retrouver dans certains polygones comme le carré par exemple. Le carré possède, lui, quatre angles droits. Pour retrouver les angles droits dans une figure géométrique, on va pouvoir utiliser l'équerre ou bien une feuille de papier. Souviens-toi, la dernière fois, je t'ai montré comment plier correctement une feuille de papier afin d'obtenir une sorte d'équerre. Arrives-tu à retrouver les angles droits dans ces polygones? N'hésite pas à mettre sur pause et à vérifier chacun d'entre eux. Lorsque tu es sûr de toi, tu peux continuer. Parmi les six polygones suivants, trois possèdent donc des angles droits. Attention, en fonction de la figure, tu peux avoir 1, 2, 3, 4 angles droits, voire plus. Cela dépend de la figure que tu as devant toi. Maintenant que nous avons découvert comment reconnaître des angles droits, nous allons voir comment les tracer. Sais-tu déjà comment tracer un angle droit? Alors, comme tu le vois sur la vidéo, la première étape consiste à tracer un trait avec ta règle. Ensuite, pour la deuxième étape, tu vas utiliser ton équerre ou ta feuille de papier en plaçant l'angle droit sur une des extrémités de ton trait. Il te suffit ensuite de tracer le second trait pour former ton angle droit. Tu peux également représenter l'angle droit en ajoutant un petit carré rouge au niveau de ton angle droit. Et voilà. Une fois que tu as l'ensemble du matériel nécessaire, à savoir une équerre ou celle que tu as fabriquée en papier, une règle, un crayon de papier et une feuille blanche, tu vas pouvoir t'entraîner à tracer différents angles droits. Il est maintenant temps de recopier la leçon dans ton cahier de mathématiques partie géométrie. Tu verras, cette leçon-là est vraiment simple, puisqu'il te suffira de recopier le titre, la courte explication. Au niveau des schémas que tu vois à ton écran, ils seront disponibles par mail. Donc, pas de panique, je ne te demande pas de refaire ces dessins toi-même.